Salut à tous, aujourd'hui unboxing de pipe. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Donc là c'est du beau matos normalement. On va voir ça. Je vais essayer de faire ça délicatement. Peut-être qu'il y en a qui avaient deviné ce que c'était comme marque. Donc ça vient d'Angleterre. On commence à voir de quoi ça parle là. Bon, en tout cas, c'est très bien emballé. Hein. Ça, y a pas de soucis. Bon, la boîte est très sympa. Donc c'était fait en Irlande. Super, ça c'est pour moi. Allez, attention, suspense. Donc une Peterson. Ah, ça a encore emballé à l'intérieur, c'est super, mais non. Ça risque à rien. Donc je l'ai commandé sur eBay. Hein. Mais décidément. Alors déjà la qualité de la pochette, elle est vraiment très sympa. Vert Irlande, j'ai envie de dire, vert émeraude. Allez, on jette un œil. Oh, elle est magnifique. Donc c'est un modèle Dracula, pour ceux qui connaissent. Pas si on verra la mise au point, mais c'est marqué Dracula ici. On va essayer tranquillement. Non, ça veut pas. Ah, là c'est bon. Vous voyez, c'est super beau. Alors il y a plusieurs embouts. Hein. Les embouts acryliques sont tous différents de ce que j'ai vu. Celui-là, j'en suis très content. Il y en a qui sont très très rouges, d'autres qui sont très noircis. Celui-là a pas mal de flammes noires, de flammèches noires, donc je suis très content. Je suis très content. Le foyer est costaud, hein. Le foyer est très costaud, je pensais qu'il était plus petit que ça. Il y a deux modèles, hein. Il y a la 606 et la 105, je crois, qui sont. Et la 606 est un peu plus petite. Donc ma première Peterson. Ouais, c'est la X105, c'est bien marqué dessus. Moi qui suis fan de la série de jeux vidéo Castlevania, donc c'est sympa aussi. Ça Et elle sera dédiée, donc comme j'en avais déjà parlé, ou pas, je sais plus, elle sera dédiée au culte Blood Red Moon. Bon, c'est parfait, hein, le tirage a l'air parfait. La finition, il n'y a rien à dire, il n'y a pas. Le vernis est impeccable, donc voilà. Voilà pour cet unboxing. De toute façon, je ferai une review détaillée, je pense, de la pipe. Il y a de fortes chances que je fasse ça. Voilà, et je me tâte à faire la prochaine dégustation avec, même si j'ai déjà fait une review sur le Cult Blue de Red Moon, mais une dégustation plaisir. Voilà. Voilà pour cet unboxing. C'est la pipe que je voulais. Il n'y avait que celle-là qui me tentait vraiment le plus. Il y en a d'autres qui m'intéressent beaucoup. Les Dagner Pipe, les OMS Pipes. Les marques américaines me tentent beaucoup aussi, même si les anglaises. Les pipes un peu plus anglaises, style anglaise, sont sympas aussi. Donc voilà. Voilà là, une super belle pipe. Qui j'espère va me procurer pas mal de plaisir avec le culte. Voilà, je vous dis à plus sur la chaîne.